Yapisha Thérèse a été délivrée de la colère et de mari de nuit depuis 2004. À l'issue du ministère du brisement des liens malsains de famille et autres liens, écrit des mains du pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. C'était une histoire triste. Le péché de la colère avait embrasé la vie de Thérèse, détruisant son foyer et semant la terreur dans la vie de ses enfants. Personne ne pouvait la délivrer. Je vais dire merci à Dieu qui m'a délivré de l'esprit de colère et d'un démon démoniaque. Gloire à Dieu. Il faut dire que j'étais, dans mon enfance, j'étais malade. Très malade. Et mes parents m'ont accompagné partout. Chez les féticheurs, chez les marabouts. En tout cas, ils m'ont accompagné partout. À l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, mes parents m'ont accompagné partout et je n'ai pas trouvé la guérison. Même à l'hôpital, je n'ai pas trouvé la guérison. Mes yeux s'enflaient, toute ma figure s'enflait, mon corps s'enflait, je toussais normalement. Et quand je tousse, c'est le sang qui sortait. Gloire à Dieu. Et mon père, il avait peur. Partout qu'il me faisait passer. Le marabout est parti au cimetière. Il m'a mené au cimetière pour faire des trucs. Je buvais même les trucs qu'on ne doit pas voir. Parce que mon père veut ma délivrance. Gloire à Dieu. Et quand j'ai grandi, à l'âge de 17 ans, ça continuait. Et ma tante m'envoie dans l'église Christian Céleste. Gloire à Dieu. Il n'y a pas eu de délivrance. À travers tout ce qu'ils m'ont fait, en tout cas, j'avais la colère en moi, je ne sais pas où la colère quittait. J'avais une colère démoniaque qui était en moi. Et vraiment, je ne trouve pas la guérison. À l'âge de 17 ans déjà, quand je me couche, je vois qu'en bas de moi est mouillé. Je ne sais pas d'où ça venait, ce truc. Moi-même, je me demandais, je passais dans l'église, Et je suis partie, force quoi, je n'ai pas trouvé la guérison. En tout cas, je suis partie dans toute l'église, je n'ai pas trouvé la guérison. Quand les pasteurs me donnent le jeûne pour faire, 3 jours après, quand je m'en vais, on fait ma délivrance, je me bats bien avec les pasteurs. Je les frappe normalement et puis les pasteurs fuient en bas de moi. Gloire à Dieu. Même mon mari, quand il arrivait à la maison, je ne sais pas quoi, où la colère l'est quittée. Je suis en colère, je frappe normalement mon mari, je frappe mes enfants. Gloire à Dieu. Mon mari ne peut pas rester, il ne peut pas s'approcher à côté de moi-même. Dès qu'il dit quelque chose, je le frappe normalement. Une fois que je serre son cou seulement là, il me dit pardon, pardon, laisse-moi, pardon, pardon. Il fuit. Gloire à Dieu. Et la nuit, où j'ai constaté que ce n'était pas normal, la nuit, dans mon rêve, je vois les serpents. Je vois un gros serpent qui vient. Mais en réalité, c'est un homme que je vois. L'homme-là, il vient. On mange ensemble. Quand il vient comme ça, je le vois. Mais personne ne le voit. C'est moi seul qui le vois. On mange ensemble. On dort ensemble. Gloire à Dieu. Quand mon mari est là, que ce démon-là vient, il fait partir mon mari. Et lui et moi, on est dans la maison. On mange ensemble, on dort ensemble. Et après, il s'en va. Quand il va, mon mari revient à la maison. Coloreux, je le chicote normalement. Gloire à Dieu. Je le frappe. Mais à travers ça, je n'étais pas guérie. J'étais guérie, mais mes pieds s'enflaient. Ma figure s'enflait. Je cherchais toujours la délivrance dans l'église en église. Je ne partais plus chez les charlatans, chez les féticheurs, parce qu'ils n'ont rien fait. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur a entendu les cris de détresse qu'elle poussait dans le secret, divinement averti par le Seigneur en songe, de la situation chaotique que traversait Dame Yapi. La sœur Elisabeth Yapo, saisie par le Saint-Esprit, est allée lui montrer le chemin de la vie. C'est chez le pasteur Jules-François Kouassi, dirigeant de la zone spirituelle d'Anyama, qu'elle a été dirigée. Et selon Ésaïe 30, verset 15,
Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le dirigeant la conduite à la repentance, au baptême et au brisement des liens malsains de famille et autres liens. Thérèse Yapi peut-elle aussi proclamer depuis 20 ans, comme le psalmiste, l'Éternel, mon refuge et ma détresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et un jour, la sœur Elisabeth m'est venue me voir. En ce temps, mon mari était déjà parti. Je suis restée avec mes 5 enfants à la maison. Et la sœur Elisabeth m'est venue me voir. Sœur Thérèse, j'ai trouvé une église qui peut te délivrer. Je dis, si c'est vrai. Il dit oui. Elle dit oui, c'est vrai. Donc, je suis venue chez le pasteur Jules François. Je lui ai expliqué mon problème. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux me guérir à travers ta prière? Il dit de rester tranquille. J'ai dit, frère, je veux ma délivrance totale. Il dit de rester tranquille. Dieu va te délivrer. Gloire à Dieu. Et effectivement, Dieu m'a délivré. Oui, acclame. Clap. Il m'a dit de faire 3 jours de jeûne de la repentance. Et il m'a confié au frère Mia. Il m'a confié au frère Mia. On a fait 3 jours de la délivrance. De baptême. En ce temps que je faisais ça, le deuxième jour, j'ai vu un gros serpent comme puneux au milieu de ma tête quand j'étais couchée. J'ai sursauté. Je suis partie voir le pasteur. Il dit, ah, voici un gros serpent que j'ai vu en songe. Quand je dormais, mais je ne dormais pas, j'ai vu ce serpent. Mais il partait. Il dit, c'est fini, je m'avais. Alléluia. Alléluia. Et ce serpent est parti. Ça restait ma délivrance maintenant. Je suis partie. À ce temps, c'était à Kumasi. 2004, c'était à Kumasi. Je partais faire mon brisement des liens maintenant avec le pasteur François-Philippe François et puis la sœur Colette et le frère Aka avec la tantité à ce temps. Je suis partie, tranquille. Je me suis assise, les autres m'assoient. Moi, je croyais que ça allait, comme avant, frapper les servantes. Je dis, mon cœur battait. Mais quand on a commencé la prière, j'étais tranquille. Ils ont fini de prier. Et j'ai demandé à le frère Jules, c'est fini? Il dit, c'est fini. Et ils m'ont élevé. Il dit, donc, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Mais ce temps-là, la colère, tu partis totalement. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Love for the Lord Jesus Christ. La colère est partie totalement. Quand je suis venue, mon mari était déjà parti. Gloire à Dieu. Un an après, mon mari est déjà parti. Où le voile pardonné. Même quand je l'appelle, même il dit, me laissez. Toi, je te connais. Quand je vais venir, tu vas me frapper. Gloire à Dieu. Tous mes enfants avaient peur de moi. Dès que je parle net, ils disent, maman, faut pas me frapper. Je dis, non, je ne vais pas te frapper. Donc, ils avaient peur de moi. Gloire à Dieu. Je dis, c'est fini. La colère était en moi, c'est fini. Je vais pour vous frapper. Et Dieu m'a délivré d'un démon démoniaque. Depuis que j'ai fait mon brisement des liens, je ne vois plus ce démon. Alléluia. Et je suis totalement délivré, guéri. Love for the Lord Jesus Christ. Je vais dire merci à Dieu qui m'a libéré, délivré de ce démon démoniaque au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a des parties que je veux, très sensibles, que je veux compléter. Alléluia. Quand elle était venue, elle m'expliquait
Et où est la sœur Elisa, s'il vous plaît? La sœur Elisa, qui est venue avec elle en 2004. Gloire à Dieu. La sœur Elisa est de loin plus âgée que la sœur Thérèse que voici. Mais quand elles sont arrivées, la plus vieille, je ne dis pas la plus âgée, la plus vieille, c'était elle, d'apparence. Tellement l'esprit l'avait fatiguée. Il y a certaines parties qu'elle n'a pas dites. Elle dit que souvent quand l'esprit vient, qu'il rentre en elle, quand elle est couchée, il prend son visage et puis il se met comme ça. Et les deux se parlent. Gloire à Dieu. Et je ne dis pas en songe, je dis vis-à-vis. Et quand elle me disait, je lui ai dit non, laisse, ça va aller. On va te conduire simplement à la repentance. Pour elle, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Elle me soit un autre déroulé. Elle dit souvent, il vient comme un homme. Elle dit un blanc, un monsieur joli. Et vous voyez, avant même qu'elle ne se répande, elle avait décidé de ne pas porter de bout d'oreille, ne pas porter de chaîne, ne rien porter de tout ça. Pourquoi? Parce que l'esprit sentant qu'elle ne l'aimait pas, parce que quand l'amour est dans le cœur, ça se voit spirituellement. Comme l'esprit savait qu'elle ne l'aimait pas, il venait lui proposer réellement des pierres précieuses, des boucles d'oreilles, des chaînes. Pour toi, tu as dit c'est un rêve. Pour elle, là, c'était vis-à-vis. Amen. Donc, vous voyez comment elle souffrait. Elle me disait, je ne sais pas où j'ai pris cet esprit. Et elle dit par moments, il sortait de l'eau. Elle voit comme de l'eau loin. Et un gros serpent sort de l'eau, il vient, il s'emballe autour d'elle. Et elle dit, quand elle va dans les églises, on a les gens ont l'habitude de dire, fais trois jours, on va te délivrer. Elle dit, quand elle fait trois jours, l'esprit vient, il rentre en elle. Et il bat entre ses jambes une queue. Donc quand elle est assise parmi les gens, elle tremble, elle tape ses jambes. Au fait, ce sont des points que j'aimerais souligner pour que vous voyez comment elle souffrait. Gloire à Dieu. Mais simplement, gloire à Dieu. Ce qui a fait que je suis allée vers la sœur pour lui prêcher l'évangile, j'ai fait un songe. Après moi, ma repentance, j'ai fait un songe. Et le Seigneur m'a fait voir le démon qui perturbait cette sœur. J'ai vu. Le Seigneur m'a mené sous l'eau. C'était comme une. Je regardais une télévision. Claire. Et le Seigneur m'a mené sous l'eau et il m'a montré l'homme en forme claire comme un blanc. Et c'est, en songe, on me disait que c'est l'homme qui possédait la sœur. Et le Seigneur me disait qu'il peut la délivrer. Et c'est ce que je suis venue. Elle ne m'a jamais dit ce qu'elle vivait. Je la connaissais très bien. Mais elle ne m'a jamais dit ce qu'elle vivait. Et c'est quand je suis allée lui dire, voici le songe que j'ai vu sur toi. Et que je connais une église, on peut te délivrer. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa délivrance. Alléluia. Alléluia. Et quand elle est venue, nous n'avons pas troublé. Nous lui avons dit, ça ne fait rien, reste tranquille. Elle explique encore, je dis reste tranquille. Elle explique encore. Gloire à Dieu. Et Dieu a permis que le frère Mian la conduise à la repentance. Le frère Mian, c'est mon disciple. Il la conduise à la repentance tranquillement. Et comme elle vous a expliqué, elle a été délivrée. Si c'était un an, deux ans, tu pourrais dire que je ne crois pas. Mais elle a été délivrée. Et aujourd'hui, ça fait, depuis 2004, ça fait aujourd'hui 20 ans. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et donc, c'est ce que je voulais ajouter. Parce qu'il y a certains points, d'autres points encore, mais nous allons nous arrêter là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur qui a accompli des délivrances authentiques dans la vie de ses enfants.